que la demande des gens, demande des gens plus tard, c'est joignant. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à la balise donc pour la projection du documentaire Enquête sur un monde solitaire. Donc moi, je me présente, je suis Isabelle, je suis médiatrice réseau solidaire à la Maison pour tous. Et dans mes missions, j'ai également la lutte contre l'isolement. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Maxime Kerbagoret, donc le réalisateur, qui va vous faire sa petite introduction également. Merci. Bonjour. Donc je suis Maxime Kerbagoret, comme elle a précisé. Donc alors, je vous propose aujourd'hui mon documentaire Enquête sur un monde solitaire, que j'ai réalisé entre mai 2018 et février 2020 pour le tournage, et il a été finalisé en juillet 2021. Donc c'est une longue enquête, une longue investigation, principalement tourné sur le pays lorientais, mais ça va au-delà des frontières de l'Orient et autres. Mais ça, vous le verrez progressivement. Donc, bon voyage. Voilà, à travers l'isolement. C'est la pause. C'est la retraite. Voilà, c'était la première partie. Je vous invite à prendre une petite part de gâteau, un petit café, pour enchaîner sur la deuxième partie. Et à l'issue, il y aura un petit débat, discussion. Voilà. Alors. On vient s'isoler pour un film contre l'isolement. On n'est pas isolé, on est ensemble. Voilà, ouais. Très intéressant ce film. Ah ouais, ouais. Pourquoi? On découvre des associations qu'on ne connaissait pas forcément. Ah ouais. Et puis, il y a plusieurs formes d'isolement. C'est vrai. Ça parle beaucoup des écrans. Oui, voilà, les écrans, ouais. Téléphones, les ordinateurs. Ouais. Tu vas sur Internet, hein, un peu? Beaucoup, ouais. Un peu trop. Et tu parles à des gens? Moi, avant je parlais beaucoup, mais là je m'isole. Tu parles plus? Non, je vais plus sur Facebook comme je faisais avant. Tu te cultives? Même pas. Tu fais quoi? Je regarde quand je veux avoir des informations sur des médicaments, c'est tout ce que je fais. Ah. C'est mieux que de l'avoir abandonné derrière le rideau, là. Oui, justement. Je suis carrément zappé si je donnais à boire à mon chien. Pauvre lui, isolé tout seul, sans eau. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 4h23. Merci. Prêt? Prêt. Alors, on ne veut plus avoir de problème avec la lumière. Donc, attends, il reste encore des gens. Non, tout le monde est là. Je pense qu'il y a des gens qui sont partis, Maxime. Un perdu du monde en route. Oui. Et le centre médico-social est parti. Il y en a même un, c'est François qui s'est tiré pendant le film. Oui. C'est pas une dénonce. Moi, je pars dans ce cas-là. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Non,
chaleur. C'est bien. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non, c'est la même chose. Tu t'es combien, toi? Il y a une petite... Bah, on a la même chose. Vous aussi? Avec un coussin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je pense que là, j'ai pas besoin de prendre de micro pour vous parler. Effectivement, c'est un reportage qui permet de présenter les différents acteurs qui sont sur le territoire et qui travaillent tout autour de l'isolement. Et c'est surtout ce qu'on peut découvrir aussi via le reportage, c'est que l'isolement, c'est un panel de définitions mais complètement différentes. Si vous avez des questions à poser à Maxime, n'hésitez pas, il est là. Oui, je suis là, je reviens dans un instant. Il était là. Il était là, mais il va revenir. Désolée, nous étions... D'accord. Je vous en prie, madame. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que c'est un documentaire qui est je reviens. Ouais, c'est comme c'est difficile de peut-être pour vous de réagir c'est 3h21 vous avez vu 3h21 de programme de la première partie dans 3h21. Donc c'est peut-être que vous avez des questions, des ressentis. Il y a quelques personnes qui ont déjà vu le film. Donc il y a Patrick qui a participé. J'avais déjà vu le film, mais j'ai participé effectivement. Alors je dis que ça évolue parce que vous voyez, entre ce que vous avez vu à l'écran, moi aujourd'hui il y a quand même un peu de différence. Mais voilà. On va devant la fête. Allez, je ne vais pas vous spoiler la suite, donc... Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Moi, je voudrais savoir si les deux films sont celui qu'on va voir demain. C'est à des années différentes ou c'est... Non, c'est... Ça se passe entre 2018 et février 2020. Ah oui. Voilà. C'est majoritairement entre 2018 et 2019, mais il y a des images de 2020. Voilà. Oui. Vous vivez des films que vous faites? Alors, honnêtement, non, puisque c'est compliqué de les diffuser et la vente en DVD, ça ne permet pas d'en vivre. Mais l'intérêt, c'est surtout de pouvoir rencontrer des personnes qui en parler. Il y a une utilité dans les thématiques de mes films. Donc c'est pas... J'ai tout à l'intérêt, effectivement, je n'en vis pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à interviewer les gens? Comment? Vous avez eu des difficultés pour l'interview? Alors, j'ai une difficulté, disons que une difficulté pour contacter les gens ou pour les faire parler. Ah oui, je vais les faire parler. Pas vraiment. C'est surtout j'ai pris le temps avec eux. J'ai pris le temps. Donc c'est au début, c'est pas évident pour c'est surtout pour eux de se confier, mais ils m'ont fait confiance. C'est vraiment c'est la confiance entre moi et une personne. Donc c'est pas, j'ai pas ressenti une grande difficulté parce que j'avais le temps. Et il s'exprime bien, je trouve. Ah oui, il s'exprime mieux que moi. Peut-être que c'est le seul sujet que je peux aborder puisque je suis dans le film, donc c'est le seul sujet que je peux aborder. Le reste c'est l'œuvre de Maxime. Le montage se fait aussi beaucoup, comme vous l'avez remarqué. Donc moi ce que je peux dire c'est que la confiance s'est installée au fil du temps, qu'on s'est vu trois fois en 2 ans, qu'on participait au même café rencontre. Voilà, donc
et je savais que Maxime ne nous trahirait pas, et comme vous avez vu dans le montage, il n'y a pas de coupe. Quand je veux dire quelque chose, on ne coupe pas la phrase à la moitié pour mettre la fin parce que ça fait plus joli. Alors c'est un peu dépressif, effectivement, j'ai peut-être l'air un peu plus gay que ce que vous avez vu à l'écran. Mais le fond, il est là, parce qu'il y a une certaine ambiance qui fait qu'on va dans le fond des choses. J'ai pas changé de statut, j'ai effectivement fréquenté les orphelinats, j'étais toxicomane, j'ai été à l'accueil de jour en tant que bénéficiaire, mais j'ai aussi fait 20 ans de bénévolat dans la région, donc dans une association qui était dans le film. Alors, pour pas m'égarer trop, effectivement, la confiance en Maxime, son projet était tellement beau, et les gens qui y ont coopéré, parce que tous les professionnels qui nous expliquent le travail qu'ils font, c'est tous les jours, sur des années. Voilà, et je vais vous donner un petit secret que même Maxime ignorait, c'est que par exemple, quand vous avez vu Solidarité Lorient, on peut se poser la question, pourquoi des vêtements, pourquoi dire propre ou pas propre? C'est parce que dans le temps, cette association, c'était René qui la menait, était au port de pêche, et au-dessus, vous aviez l'accueil de jour. C'est l'endroit où nous, SDF, déjà on avait dormi la nuit sous la pluie, donc très difficile. On arrivait avant l'ouverture de l'accueil de jour. René, vous allez bien prendre un petit café. Puis, si vous allez prendre la douche, regardez comment vous êtes. Alors ça peut paraître, déjà, c'est de la parole. Déjà, c'est de l'humanité. Mais après, ce que ça a permis, c'est que moi, je savais que je pouvais aller prendre ma douche, qu'à l'accueil de jour, on allait donner 3-4 casse-croûtes, et que je pouvais aller chez Sato Intérim ou dans une autre boîte pour présenter, sans être, déjà en étant propre, en ne sentant pas mauvais, en étant habillé comme tout le monde. Alors effectivement, c'est des vêtements qui ne sont pas, quand ils disent neuf, non, c'est des gens qui donnent ça, il y a des décès, ils récupèrent, mais voilà, ça permet de l'insertion, et c'est l'engagement de René sur 18 ans, et c'est, d'ailleurs, il la respecte tellement qu'il y a une photo, qu'ils lui ont payé un saut en parachute quand elle a eu 100 ans, l'association lui a payé un saut en parachute, et c'était vraiment une grande personne, à la hauteur de Madame Tillon, puisqu'elle était, elle aussi, De Gaulle avait donné un ordre à 100 personnes en France, elle en était dépositaire. Voilà, je vous ai donné un petit secret que même, je vous dis, Maxime ignorait. Voilà, merci. Avez-vous des questions? Un ressenti? Bah, ressenti, oui, c'est quand même un peu... c'est triste, quoi. Oui, bah, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faut le regarder sur du temps. Et là, il y a des gens, on peut le trouver triste, mais il y a des gens qui ont pu enfin mettre des mots sur leur douleur et se dire, ben, ce que je subis, je vais le faire comprendre à d'autres. Et ce que j'ai subi, par exemple, le rejet, ou vous voyez, il y a plein de réactions qui font ces douleurs. Hein. On ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Donc, voilà, c'est aussi un témoignage. Bon, là, Maxime sera beaucoup plus juste que moi, mais il y a des gens qui ne sont plus là aujourd'hui. Oui. Voilà, donc c'est vrai que là, dans la seconde partie, il y aura la fin du film. Donc c'est là où on pourra faire une sorte de conclusion, ce sera le demain, revenez demain, vous ne serez pas dessus. En tout cas, ce sera vraiment la fin du film. Il y a, on peut pas voir la seconde partie avant de voir la première. Il y a un lien, c'est une fresque. Je reviendrai demain, j'ai mon coussin. Ah bah parfait. Et je suis un peu plus joyeuse sur la deuxième partie. Mais c'est vrai que le film est pas... Oui, il y a un côté mélancolique, on pose des mots sur des mots. Mais c'est vrai que c'est... Donc, il y a quand même une sorte de l'espoir. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas que mortifière, j'ai voulu vraiment montrer les différents tours dans le film. Comme les différents intervenants, il y a les aidants, il y a les personnes qui vivent l'isolement, ou que la société dit que ce sont des publics isolés, mais ils ne sont pas forcément isolés. Les personnes retraitées, qui sont dans quoi partie, ne sont pas isolées. Ils sont mis de côté par rapport à des problèmes de finances. Par la retraite qui n'est pas suffisante, qui n'évolue pas, ou peu. Donc, forcément, il y a le rejet. Mais ils sont toujours... Voilà, il y a une lutte.
Il y a beaucoup d'associations et de bénévolats en France. Oui. Donc oui, c'est positif, ça. Voilà, c'est ça. Il y a toujours. Ils se sont délaissés par l'État, enfin, par les. Ils sont toujours actifs, malgré les difficultés. Et ce sont les difficultés que je pointe en même temps que leur action, que leur combat. Et le combat, c'est toutes les personnes qui réagissent dans le film, ils ont un combat soit individuel, soit en groupe. Voilà. C'est important. C'est pour ça que le film n'est pas triste, uniquement triste. Enfin, c'est la réalité. Non, il y a l'espoir. Il y a des choses où il faut s'accrocher un petit peu à un moment donné, surtout dans son autre partie. Mais après, en s'accrochant, on voit qu'il y a quelque chose, ça mène à quelque chose d'autre, où il y a des. C'est pas juste Acosta, vous êtes là pour vous tirer une balle à la fin, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Moi, je trouve que quand même ces interviews sont beaux parce que on apprend quelque chose et bah, moi ça m'aide. Hein. Moi, je n'ai pas trouvé ça triste forcément. J'ai trouvé ça, je sais pas, c'est la vie quoi. J'ai trouvé ça et je me dis qu'il faut pas squeezer ça parce que souvent, bah oui, la maladie psychique, oui, c'est, on se dit, bah non, je ne veux pas voir quoi, je passe à côté et puis voilà. Mais tout le monde peut être confronté à sa vie, tout le monde. Et c'est vrai que quand on n'a pas été béni dans ça, ou quand on n'est pas concerné, eh ben, on se dit ça m'arrivera jamais, ou ça m'arrivera pas. Et quand on n'entend même que des professionnels, hein, eh bien, on apprend toujours quelque chose. Moi, j'ai travaillé comme travailleur social, mais je connais un peu, même si je n'ai pas été assez social, comme des personnes qui ont été interviewées. Mais je pense qu'il y a de l'humain. Il y a de l'humain dans ce qui a été fait dans ces interviews. Et moi, je trouve ça beau. Parce que c'est un côté solution aussi. Et je vois ça. Il y a un côté curatif aussi dans les films que je fais, en tout cas dans ce film et le film précédent, qui était de fiction. Il y a ça, quand on regarde, on s'intéresse. C'est un côté très intimiste dans la manière que j'aborde les choses et que mon regard sur les personnages dans la fiction et les personnes dans ce documentaire. Donc les personnes qui regardent le film, soit alors il y a deux cas de figure, c'est soit les personnes ils s'en vont au bout de quelques minutes parce qu'ils disent mais c'est pas possible, c'est la réalité, ça fait peur aussi. Ils veulent pas voir, c'est la réalité qu'ils veulent pas voir. Enfin, il y a une sorte de miroir à leur vie. Et comme je pointe, je montre que les gens n'ont pas envie de voir, ça va. Il y a des personnes qui vivent, qui sont isolées ou que ça les intéresse. Là, c'est quelque chose qui n'ont pas. Je prends le temps de le montrer, sans voyeurisme et sans naturalisme. Ça peut les aider. Ce que j'ai apprécié pendant la danse, c'est qu'on n'est pas sur du voyeurisme. Au contraire, je trouve que c'est mené d'une façon super délicate, avec beaucoup d'humanité. Et renforcé aussi par certaines images, je trouve que ça donne de la force aussi au témoignage. Et franchement, non, moi, franchement, j'avais un petit peu peur déjà sur la durée. Beaucoup de gens, et ça rassure. Ça montre effectivement qu'il y a un panel énorme. Nous, en tant que travailleurs sociaux, on a encore beaucoup de boulot aussi à faire, parce que je fais partie de ces travailleurs sociaux. Et que même si on agit sur un territoire comme Kerbenalek, qui est pour nous aussi déjà un beau territoire en termes de travail, ça donne aussi peut-être des clés et peut-être se dire on peut peut-être se rapprocher de d'autres associations aussi qui bossent sur cette thématique-là et de renforcer aussi peut-être des partenariats aussi. Ça permet d'ouvrir les yeux. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on a une tendance à se dire moi je travaille sur Kerbenalek, je sais ce qui se passe là, mais je ne sais pas trop ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que des fois, on s'enferme un peu peut-être dans notre bulle professionnelle. Et ce type de reportage, ça permet justement aussi pour moi en tant que professionnel, nous dire tiens, on va enlever un peu tes yeux, on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Quoi.
Mais les choses avancent quand même. Hein. Oui. Si ce n'est que pour parler de petits enfin, je pense que le Covid a été bon pour ça aussi. Parce qu'il y a eu des gens qui ont vraiment tombé bas et des gens qui n'avaient rien eu au niveau psychique. Hein. Et rien que les petits supermarchés comme Carrefour City, n'importe quel petit supermarché. Et maintenant, il faut attention à baisser la musique d'un certain commerce pour que les jeunes autistes ou les moins jeunes, les adultes, arrive et puis peuvent faire ses courses tranquillement. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que c'est vrai, même moi, en n'étant pas autiste, je trouve ça trop fort. Enfin, il y a des choses, c'est subliminal, comme on appelle, c'est pour l'achat. Ça incite l'achat. Et je trouve ça super parce que. Et du coup, ça les fait être autonomes et devenir eux-mêmes chercher leurs courses. Voilà, c'est fait depuis rien, hein, mais c'est vraiment important pour le jeune, pour le moins jeune. Et voilà. Et ça peut éveiller des consciences, justement. Ça, éveiller des consciences, c'est ça que vous avez dit. Il y a une chose aussi que j'aime bien dans ce film-là, c'est que la liberté de parole des travailleurs sociaux que vous avez eue, du fait qu'ils ne sont pas tous impliqués dans l'establishment, on va dire, la CAF, la Sécu. Voilà, comme c'est parfois des associations, ben, ils vous annoncent que les crédits ont baissé. Au Resto du Cœur ou ailleurs, on va vous dire qu'il y a moins de nourriture à partager entre plus de gens, on leur donne moins d'argent, mais on leur demande d'aider encore plus. Voilà. Et l'autre côté que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est nous toutes, qui montre que le combat, même si on sait qu'aujourd'hui l'accueil, la psychologue, c'est ça qu'ils n'ont pas eu, pour ne serait-ce que donner la parole aux femmes, et bien quelque part c'est un dénoncement de ce qu'on nous a expliqué qui était la période Macron pour la femme qui serait une priorité, pour les enfants qui seraient des priorités, pour les handicapés. Oui, mais là on a eu des gens qui sont tous les jours à aider ces personnes-là et qui vous disent non, ce n'est pas vrai. On ferme un foyer d'accueil pour des femmes qui étaient séparées, parce que moi je connais le SOC, ici c'est le SOC, c'est-à-dire qu'on téléphone, c'est le 115, on vous en... Mais une dame là-dedans, mais je suis désolé, moi quand j'étais à l'accueil de nuit, il y avait les sortants de prison, les gens complètement défoncés, complètement alcoolisés, une femme qui est déjà dans l'insécurité, et le seul truc qu'elle peut avoir, c'est pour avoir de quoi manger, rester chez son mari. Non, là on se marche sur la tête. Il y a des améliorations, mais il y a encore des choses à faire, mais... Dans la lutte ou dans l'engagement solidaire de tous les bénévoles qu'on a pu voir, voilà, il y a les deux côtés. Il y a peut-être un combat, et de l'autre côté, bah, surtout essayer de penser un peu toutes les plaies que produit cette société, qui est une société de discrimination. Vous êtes handicapé, vous avez une maladie mentale, vous êtes trop gros, vous êtes trop maigre, et entre parenthèses, moi, mon obésité, je la dois à ma condition de vie. Parce que des pâtes, du sucre, des pâtes, du sucre, des pâtes, du sucre, bah, au bout d'un moment, c'est un effet. Hein. Même nous, à la clinique Blanqui, parce que je suis à la clinique Blanqui à Lorient, et pour avoir, je viens d'aller voir mon psychiatre, là, et j'ai un rendez-vous dans 4 mois. Quoi. Il n'a pas d'autre. Alors, pour me rassurer et tout, je vais voir les infirmiers tous les mois, mais j'ai le psychiatre dans 4 mois. Tout a été désengagé. On sait quoi, c'est ce qui ne rapporte rien, ce qui n'est pas commercialisable, c'est-à-dire l'humain hein, en gros, eh ben, a été abandonné. Et c'est malheureux. L'hôpital, c'est pareil, les urgences, c'est pareil, tous les endroits de... Et c'est pareil, ce lien qu'il y avait entre le facteur qui amenait son courrier, il y avait plein de choses comme ça qui permettaient que la mamie, elle a disparu, mais ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vue, je vais appeler les pompiers. Ouais. Aujourd'hui, une jeune fille vous dit qu'elle est dépressive et qu'elle n'a qu'une peur, c'est que de rester 4 mois, que son corps se décompose. Non mais qu'est-ce qu'on est 5e puissance du monde hein. Donc qu'est-ce que c'est que cette société qui fait de l'exclusion et du délaissement 9 millions de pauvres. Franchement, dans un... Alors je dis pas, moi je suis RSH, mais j'ai choisi de m'engager dans le bénévolat. Là, le premier temps, c'était chez les compagnons bâtisseurs que vous avez vus. Là, je vous donne aussi un autre truc, c'est qu'avant, on animait des ateliers pour que les gens s'investissent. Ils apprenaient à refaire la peinture pour la refaire chez eux. Oui. Et puis on leur dit, ah, bah, tu te débrouilles bien. Et tu sais qu'il y a madame machin, elle est dans le besoin. Nous, on n'est que deux. Si on y va avec toi en plus, ça va aller plus vite. Et ça faisait une espèce de lien. Les gardiens nous disaient, tu sais, j'ai vu le mari, il a tout cassé dans l'appartement. Il faudrait que vous alliez voir. Le gardien, il disait, tous les meubles qui ont été abandonnés là parce que c'est mort à tel endroit, je les remettrai une fois que vous aurez fait les travaux.
et ben tout ça, ça faisait que les gens, ils reprenaient confiance en eux. Ils se disaient, tiens, on me tend la main, voilà, on m'aide, et en plus, la personne payait le papier peint, mais ne payait pas la main d'œuvre. C'est ce qui coûte le plus cher sur un chantier. Ouais. Ça la responsabilisait. J'avais demandé compagnon bâtisseur, et en fait, j'avais mon salon à refaire. Je suis veuve et mon mari venait de décéder. Donc, je voulais faire le salon. J'ai appelé les compagnons bâtisseurs, et il fallait que j'achète tout le matériel, et 800 euros pour faire un petit salon. Donc, j'ai dit non, là, c'est pas possible. Et je monte la liste de courses à ma sœur, elle dit, mais tu vas pas payer ça. Et donc, j'ai trouvé un copain qui a fait la tapisserie au final. Mais je trouvais cher, quoi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes, malgré qu'ils sont encore moins d'aide, mais si vous êtes si vous touchez peu d'argent, et je suis désolé de dire que les gens qui sont à l'AH, par rapport à moi qui suis au RSA, c'est des riches, mais je sais bien, ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Ouais, mais du coup, vous ne pouviez pas bénéficier de ça. En plus, comme c'était chez vous, les compagnons bâtisseurs agissent beaucoup chez les HLM. Ah, j'étais en HLM, Mais c'était ce que vous gagniez qui faisait que vous ne passiez pas dedans. Sinon, moi, je vous garantis, les gens, ils payaient 10%. J'ai fait 10 ans, je ne vais pas mentir. Ouais, mais même avec la H, 800 euros. C'est ça, c'est ce qui vous a passé dans un autre type de tarif. Mais je vous garantis, pour les gens au RSA, je vous ai raconté l'histoire d'une femme que son appartement a été cassé parce qu'il y a eu une violente altercation avec son mari et que les services sociaux disaient que si l'appartement restait comme ça, les enfants seraient placés. Bon, ben voilà, les compagnons bâtisseurs ont agi pour une somme modeste, mais par contre, la personne, en plus, elle aidait, c'est-à-dire qu'elle avait l'impression de réparer un peu et que la chambre qu'on faisait pour la gamine, ben, c'était un peu elle. Non, c'est parce que vous n'étiez pas dans les bons chiffres que vous êtes arrivé à là. Mais si les compagnons bâtisseurs, ça fait... Moi, j'ai commencé en 2004, j'ai arrêté en 2015. Aujourd'hui, ils sont toujours en activité. Si c'est resté pendant 20 ans, ils ont trouvé des chantiers à faire. Et je vous garantis que ce n'était pas en faisant payer les gens. Et moi, je me rappelle, par exemple, qu'ils intervenaient auprès des bailleurs sociaux en disant « Non, mais le lino, il a 15 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit beau ?» Et on arrivait à faire ça. Elle ne peut pas faire, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient aussi en psy. Ils ne pouvaient pas refaire les travaux. Et bien, c'est pas grave, ils restaient là, ils faisaient un petit café, un petit sourire le matin. Et puis, ben, il y avait d'autres bénévoles, un peu plus. Pardon. C'est des aides, c'est des solutions. Et ça, mais comme elle vous l'a dit, le plus important, ce n'est pas le papier peint au mur. C'est que des gens viennent aider, voilà, et que les animatrices Habitat, vous avez vu, c'est Isabelle et... c'est impressionnant le coup de la caméra. Voilà, ces personnes-là sont très, très, très dévouées. C'est du lien social. Hein. Voilà. Et c'est, c'est une association qui est comme l'Abbé Pierre, qui a d'abord été faite par des bénévoles. Après, on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas bien les travaux. Donc, des professionnels nous ont encadrés. Et aujourd'hui, c'est des professionnels. Mais pour aller demander au HLM de l'argent, ben, il vaut mieux que ce soit ces deux professionnels que vous avez vus qui sont pleines d'humanité. Hein. Je ne sais pas si vous avez ressenti... Si, ils ont travaillé chez ma sœur, mon compagnon bâtisseur, ils ont refait la maison. Ça s'est bien passé. Voilà, moi je me rappelle avoir fait des isolations, parce que là on avait fait deux chantiers, ils en font beaucoup plus que ça, mais j'en avais fait deux dans les campagnes, et ben on avait isolé une maison parce que ils ne pouvaient plus s'en sortir, quoi. C'était tellement, t'as coûté tellement d'argent. En plus, ils étaient courageux parce que la caravane, comme on travaillait dans la maison, ils ne pouvaient plus vivre dans la maison, ils ne pouvaient plus avoir leur casque, puis tout ça, parce que tout était coupé. Ils étaient dans une caravane au mois de juin avec le soleil qui tape dessus. Deux enfants, deux adultes. Et le monsieur travaillait en toiture toute la journée, le soir, il venait remonter les trucs parce que le lendemain, nous, on mettait du placo. Et lui, il était charpentier, il avait une partie du travail, comme chez votre... Je pense que quelqu'un est venu l'aider ou... Oui, son compagnon. Voilà, c'est ça, on demande à quelqu'un de la famille, du proche, parce que c'est une façon de s'investir aussi sur son chantier. C'est pas... Les compagnons bâtisseurs viennent et faites votre travail. C'est pas une entreprise. C'est du temps qu'ils donnent, donc c'est pour ça qu'on demande de l'engagement. Mais toutes les associations que vous avez vues, c'est pareil. Pardon, je parle beaucoup. Est-ce qu'il y aura une suite, Maxime ? C'est-à-dire, on va voir au journal d'aujourd'hui, on ira demain. Est-ce qu'il y aura une suite à peut-être des gens qui sont sortis de, l'enquête, là, et puis qui ont évolué ? Enquête sur votre solitaire, 5 ans après. Je ne sais pas, c'est une idée. J'y ai pensé. En tout cas, j'ai pensé à faire soit une suite
on retrouve les personnes qui l'ont survécu, mais où... Non, surtout, non, mais en tout cas, à savoir, vous montrer ce que sont devenues les personnes, certaines personnes. Mais on rigole pas. Passer de pièce sociale à locataire en EHPAD. Non, parce que c'est intéressant de voir l'autre côté de la face. C'est intéressant de voir j'ai froid. La façon dont ils ont parlé. Donc voilà, En tout cas, il y aura une personne qui sera là demain, Richard. Si tout va bien, il sera là. Ce sera très, très intéressant, parce que je ne peux rien dire, parce que ce sera, j'ai pas envie de vous raconter ce que vous allez voir demain. Mais c'est le même film, bien sûr, c'est la suite. Ah bon ? C'est la suite. Mais, vous verrez, je ne peux rien vous dire. On ne dit plus rien. Je peux rien vous dire. Et c'est une question financière. Tout à l'heure, on parlait de comment tu en vivais, ça coûte quand même. Donc, oui, ça coûte de l'argent. C'est des subventions. Non, j'ai aucune subvention. Alors, j'ai eu une aide du département du Morbihan. Une carte SD, c'était pas eu grand chose, mais c'est comme. J'ai remercié le conseil départemental du Morbihan. C'est une carte mémoire. C'est pour enregistrer. Dans le cadre de. J'ai vu un documentaire, ça n'aurait pas pu être. Non, j'ai vu un documentaire. Disons que à l'époque, je n'ai pas contacté, j'ai autant produit mon film. Parce que là, ça rendait bien, c'était une bonne idée. Oui, en tout cas, ils sont au courant que le film est projeté à la valise, mais ils ne pouvaient pas venir. Même si c'est différent, même si ce n'est pas peut-être quelque chose qu'ils ont déjà fait, mais je trouve que c'est dommage, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent quand même. Pas forcément, en fait, disons que le matériel que j'ai utilisé pour ce film, c'était le matériel de mon film précédent. S'il vous plaît, vous. Silence. Attention. Depuis le début. Il n'écoute pas. Oh. Moi qui cause, c'est à lui. Je prends la voix basse. Il prend la voix basse. Moi j'entends. Ah non, parce que je peux avoir de la voix. Ah ouais. Ils parlent tous, ils parlent. Moi j'ai depuis le début, sauf du film. C'est lui qui est à côté de moi pour parler. Nada. Si tu étais là-bas. Ah, oui. Bon, bref. Non, mais... On va les interviewer. Mais on parle des films quand même. Oui, vous ne parlez pas. Oui, vas-y. À demain. Bonne soirée. Attention les petites marches. Merci. Merci à vous. À demain. Bonne soirée. Ce film, il dénote aussi qu'il faut faire attention à l'humain. Oui, bien sûr. Alors, en tout cas, pour vous dire... aux moyens financiers. En tout cas, le budget, l'économie du film, le budget du film. J'ai récupéré, j'ai utilisé le matériel que j'ai utilisé pour mon film d'avant, qui m'a coûté effectivement de l'argent. C'est un investissement pour l'avenir. J'ai utilisé une caméra supplémentaire. Sans ça, on va dire que. Je ne veux pas trop parler du budget, mais c'était pas énorme. Parce que quand tu fais ça, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir. Dans le temps, ça a pris du temps, donc notamment pour le montage. Alors si je devais me rémunérer ou j'étais rémunéré pour le temps consacré au montage, ce serait mon plus gros budget. Mais effectivement, j'ai du temps pour le faire. Je dis surtout que tu as été assez laborieux. Laborieux. Pourquoi de parler d'autre chose. Non, oui. Il apprend de montage. Tu es dans le film aussi. Mais tellement brillant. T'as participé, on te voit. J'ai reconnu le rétroviseur de ma voiture. Oui, aussi. Ah, ça m'a fait plaisir. Pour moi, un sujet si intéressant, il y a peu de monde, parce qu'il y a d'autres choses. Ben oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut se demander, en revoyant le film, c'est vrai que, en tout cas, ici, dans cette salle, sur un écran de projection, un écran quoi. L'équipement ici, c'est, ça fait plaisir de le voir dans des conditions, surtout dans une salle qui peut accueillir jusqu'à 110 personnes. Effectivement, avec tout ce que j'ai déployé comme investissement et comme énergie, les gens de rencontre avec les personnes. Les thèmes, tout ce qui est lié à l'isolement,
On peut se poser la question, effectivement, mais c'est tout à coup un peu travail de communication. Ça m'interroge, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres choses où il y a beaucoup. Là, on voit sur le journal, même il y a quelqu'un qui vient faire des photos, et bien il dit, voilà, il y a tant de personnes, et ce thème a intéressé les gens. Voilà. Ben là, c'est... Et ça pourrait, pour moi, ça pourrait être diffusé, par exemple, du côté du Puy-de-Dôme, parce qu'il y a la salle Paul Ricoeur. J'avoue que c'est pas... Il y a des idées comme ça, non, oui. Parce que pourquoi pas démarcher, hein. Alors c'est là ça que la grosse difficulté du film, c'est l'obstacle, quand les gens n'ont pas vu le film, c'est la durée. Oui, après, il faut voir. Ça a duré. Et quand on découvre le film, c'est bon, c'est pas si chiant que ça. Je n'ai pas visé. Mais là, je parle dans beaucoup de personnes. Et même du côté de ma famille. Et finalement, non, les gens ne sont pas quand ils voient le film. C'est pas du tout l'idée qui s'en faisait. Ils pensaient que c'était que c'est peut-être un reportage ou un défilement d'entretien. Et sont pas une cohérence quand même. Comment ? Il y a quand même un film, bien sûr, une certaine cohérence. Parce que Patrick m'avait dit que ça faisait un petit peu comme striptease. Mais non, ça ne fait pas du tout fouillis. Alors, un tout petit reproche, quand une personne apparaît pour la première fois, il y a son nom et son association, ce serait bien qu'il y ait un petit rappel, parce que souvent... Oui. Alors, dans le deuxième, la seconde partie, il y aura un rappel pour les personnes qu'on voit dans le coup de la première partie. Voilà. Je me suis demandé tout à l'heure, pareil. D'accord. Bon, parce que ça fait... on suit l'évolution, la construction. Et bien, alors, tu vois, quand les gens se croisent, c'est là que je me suis... Je peux comprendre. Mais au début, je voulais pas mettre de nom. Parce que pour éviter de... Pour que les gens empêchent, parce que les gens, finalement, ils s'en foutent de ce qu'ils font, de leur métier ou d'un... Non, c'est quand même important de dire ce qu'ils font. Ils parlent au nom d'une association. Oui. Ils s'enchaînent et ils reviennent. Donc, effectivement. Mais comme les conçus pour que ce soit des films qui soient vus, enfin, les deux parties qui soient vues. En une fois, quoi. Franchement, Titanic, ça dure pas 6 heures. Hein. Ça dure, non, je parle de 3h14. Titanic, environ 3h14. Oui. Environ. Donc là, voilà, tu rajoutes juste 7 mètres de plus, c'est bon. Il manquait juste un peu de lumière, enfin, je sais pas dedans, je sais pas expliquer. De lumière, enfin, je sais pas, j'ai eu du mal au départ, peut-être parce que ma vue, donc ma vue. Oui. Alors, il y aura de la lumière et je peux rien dire d'autre dans cette partie. Ah, il y aura du feu d'artifice, ouais. Oh là là, qui a... Non, mais je rigole. Il ne faut pas rigoler comme ça, hein, c'est pas... Ah, je peux rien dire, j'ai dit. Ah, j'ai deviné, ouais. Oui, mais bon... On ne va pas spoiler. Je regarde un point. Non, bien sûr. Non. Et le bruit, enfin, je trouvais très fort. Ah, bah là, ça, c'était le... Oui. Ah, peut-être que mais, c'est peut-être alors... trop de volume. Non, oui. On va peut-être le baisser. Alors, demain, attention, dans la seconde partie, j'espère qu'il n'y aura personne qui sont épileptiques. Épileptiques, oui, c'est ça. Parce qu'il y a une séquence d'effets stroboscopiques. Une séquence d'effets stroboscopiques. C'est quoi ? C'est comme des flashs entre toi. Ah, oui, d'accord. Bon. Donc, je vais quand même avertir. Ce sera après l'entracte, de toute manière. Donc, je ferai un rappel. Voilà. Oui, et aussi de boucher les oreilles lors de cette séquence, si jamais vous êtes trop... Si jamais c'est trop agressif. Ça dure combien de temps ? Ça dure pas longtemps, ça. 40 secondes. Ah. On peut cligner des yeux pendant 40 secondes ? Tu peux. Faut essayer. Tu mettrais un masque moi-même pour le dormir. Et pour vendre le striptease que j'ai, parce que je voulais que mon copain Yann aussi, c'est parce que tu as donné la parole à des gens qui n'ont jamais. Tout simplement, tu as montré des choses qu'on ne voit pas. Et c'était la grande qualité pour moi de striptease. C'est de montrer des choses que personne ne montre. Et dans la seconde partie, il y a plus de la seconde partie sera peut-être un peu différente.
ce sera plus psychédélique, si j'ai plus bien compris. Plus striptease. Ouais. Plus striptease. Voilà. Plus striptease. Voilà. Sur ouais. ces bonnes paroles. Ouais. En tout cas, merci. Merci, Maxime. Merci, merci. Merci. Merci à vous. Bonnes paroles. On vous dit à demain. Oui. Et on va essayer d'éteindre. À demain, donc à demain, 1h45. Ouais. Et puis voilà. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Bah, tout de suite. On dit comme au théâtre, merci à la lumière, au régisseur. Il n'y a pas de lumière. On coupe. Je coupe. Coupé. Coupé. Cassé. Ouais, attends, t'as envie de couper. Non, j'ai pas coupé. Ah bah oui, coupe. Alors, ben, la première chose, ben, déjà bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de mettre son téléphone peut-être en sourdine. C'est marqué. Bravo. Donc, bienvenue à la balise. Je vous présente, je m'appelle Yannick, coordinateur adulte vie de quartier à la Maison pour tous de Carvenhamac. Et la Maison pour tous de Carvenhamac a le plaisir, l'honneur, le privilège et l'avantage d'avoir Maxime Hermegoret à nos côtés. Pour la deuxième partie, donc, ce documentaire enquête sur un monde solitaire. La première partie s'est tenue hier, la deuxième partie se tient aujourd'hui. Petit résumé de hier en deux mots. Est-ce que tout le monde était là hier ? Non. Oui. Non, oui. Ok. Et est-ce que la personne qui n'était pas là hier a vu la première partie ? Oui. Bon, peut-être pas de résumé à faire. Non, je ne pense pas. Très bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire ? Pour l'instant, non. Je vais vous laisser découvrir la suite de cette fresque sociologique et émotionnelle. Sur l'isolement. Et en tout cas, le plus important, c'est que ce sera le débat après le film. Donc je vous laisse le regarder, mais accrochez-vous. Bon voyage. Deux parties, une pause entre 4h moins 15 et 4h. Et puis après, on laisse dérouler jusqu'à 17h et quelques, et ensuite on sera amené à échanger. Voilà. Bon film. Merci. Merci. Ça va ? Ouais. On est bien ? Ouais. Voilà, le temps de faire quelques étirements. Inspiration, expiration, voilà. C'est surtout au niveau des zygomatiques parce que c'est très joyeux. Bah, non, c'est surtout du dos. Bon. C'est surtout du dos parce que j'ai le dos. Alors, avertissement. Ah. Chicha. Est-ce qu'il y a des gens épileptiques ? Non. Dommage. Quel sadique. Il y a une séquence des tests stroboscopiques et des ultrasons aussi. Donc alors, quand vous verrez qu'il y a des moments où il y a des flashs, enfin, c'est assez régulier. Si ça vous insupporte ou si vous êtes trop sensible, bah, il vous suffira de masquer un petit peu les yeux. Et au niveau du son, de serrer. Alors, attends, comment on fait ? Ok. Avoir de grandes mains. Ça marche aussi. Oh, c'est comme ça, c'est ce que tu verras. Ok. Voilà, donc bon courage. C'est dit. C'est reparti. De manière plus rapide que tout à l'heure. Hein. Ouais.
Bon voilà, on va se la jouer sans micro, hein, je pense qu'on s'entend. Donc ben voilà, 6h37. Oui. Normalement, t'avais filmé. J'ai combien en tout? T'as fait quelques coupures? Ah oui, je fais quand même quelques coupures, ce ne sont pas que les rushs. 6h37, avec quelques coupures. Oui, ça fait durer. Voilà. Ok. Tout est pensé. Et c'est ça notre travail. Enfin, notre travail d'investigation et de recherche, bien sûr. Et de rencontres surtout. Ouais, parce que après, pour rentrer dans la confiance des gens, pour que les personnes soient amenées à se raconter, ça se fait pas comme ça. Non, il n'y a pas que je ne connaissais pas. Donc c'est ils m'ont fait confiance. Peut-être avec mon sourire. Non, mais c'est pas parce que c'est vrai que je leur ai, mon film précédent, qui était de fiction, ça rentrait déjà dans l'activité d'un personnage féminin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup dans mon film, il y a beaucoup dans mon documentaire, il y a beaucoup de femmes qui témoignent. Et parce que il y a une sensibilité, en tout cas en ce qui me concerne, et aussi peut-être une capacité d'écoute. Vis-à-vis de, notamment par rapport à des sujets difficiles comme la violence et les violences sexuelles. Donc ça, c'est forcément, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas, en ce cas, il y a une confiance par rapport à ça, effectivement. Parce que dans mon travail antérieur, j'ai traité ce genre de problématiques, en tout cas de l'activité des personnes. Donc, à travers les rencontres avec les associations, c'est la même chose. J'ai rencontré à plusieurs reprises certaines associations. Il y a une confiance. Ça ne veut pas forcément, ça ne veut pas s'expliquer comme ça. C'est une rencontre entre moi et les personnes. Donc voilà, ce que je peux dire. Après, il y a se raconter, raconter son histoire, et ensuite la raconter face caméra, sachant qu'après le documentaire va être diffusé. Oui, alors donc c'est est-ce que c'est quelque chose d'accepter avec le temps et de pouvoir. Alors surtout que pour revenir aux personnes qui ont accepté de témoigner, c'est aussi ça leur permet aussi de ça libère de la parole. C'est un peu comme une sorte de une tribune. En tout cas, je leur livre, votre histoire. Et aussi répondre à mes questions. J'avais une liste de questions, parce que j'ai préparé des questions qui reviennent à plusieurs personnes. Donc il y a vraiment, par rapport au temps de parole, ils savaient que ça leur a permis de se libérer progressivement. Parce qu'ils vont pas dans 5 minutes qu'ils vont dire, qu'ils vont écouter leur vie. C'est surtout qu'ils ne connaissent pas. Donc pour certaines personnes, j'ai rencontré notamment Florence, qui est dans la seconde partie. Donc je l'ai rencontré plusieurs fois. Elle m'a raconté son histoire. Et ensuite, quelques mois plus tard, on a tourné l'entretien. Après avec des. À un moment donné, c'était dit, finalement, elle s'était rétractée. Mais c'est pas par rapport à mon film, la confiance, non. C'est juste parce qu'elle voulait pas. Elle était dans une période où elle se racontait à travers notamment une émission de radio. Et elle avait envie, elle n'avait pas envie de. Elle avait besoin d'un petit peu de se retrouver et de pas, voilà, de pas, elle voulait plus parler de ces pendant un temps. Mais finalement, on s'est recontacté et elle m'a dit voilà, je vais le faire. Et ça l'a beaucoup, les gens savent que ça peut être utile pour les autres, pour d'autres personnes. Donc il me remercie. Là, pas plus tard que hier soir, il y a une personne qui témoigne dans la première partie. Et elle m'a remercié. Je ne sais plus si elle a vu le film, en tout cas, elle a vu une partie du film.
Donc ça, ouais, ça remercie. Moi, je lui ai dit, enfin, je dis à tout le monde, bah, merci d'avoir ce que m'a dit. Et elle m'a dit, bah, non, c'est plutôt à nous, à elle. Enfin, c'est elle qui me remerciait, enfin, et aux autres aussi qui me remercient, parce que ça a la liberté de la parole. C'est pas comme, c'est presque une sorte de thérapie, mais enfin, bon, après, j'ai pas du tout l'occasion d'être. Bah, c'est pas mon but non plus d'être. Je suis pas thérapeute. Donc, mais ça est. Voilà, il trouve que le film. C'est une forme de thérapie, mais c'est pour ceux qui participent, pour certaines personnes qui participent, et surtout, les personnes, c'est utile pour les personnes qui vont regarder le film. Ils peuvent trouver des solutions, et aussi, c'est un miroir aussi par rapport à leur vie. Il y en a d'autres qui ont peur de se voir à l'écran, pas presque, enfin, se voir à l'écran, c'est-à-dire qu'ils voient leur. Le film, ça peut faire peur pour des spectateurs. Ils ont peur de. Il y en a qui renoncent. Donc, voilà. Et d'autres, bah, que ça leur permet de. Bah, ils se disent, bah, ils ne sont pas tout seuls. Je vais juste interrompre, je ne voulais pas le faire. Mais moi, je suis dans le film. On me voit à la fin en train d'aller au resto. Voilà, on me voit à la fin au Resto du Cœur, on me voit à la fac à l'UBS, où on a tourné en pirate d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, il y a plein de gens qui n'osent pas montrer qu'ils ont besoin et qui a des. Alors, moi, j'ai témoigné qu'on a des moyens de manger, c'est les Restos du Cœur qui donnent. C'était ma façon à moi de dire si tu n'as rien à manger. Et je passais par. Parce que j'ai jamais eu les moyens de parler à quelqu'un d'autre. Donc, je passais par la création de Maxime, du moins même les reportages et les témoignages de Maxime, pour pouvoir affirmer qu'on ne doit pas mourir de faim. On a les moyens parce qu'il y a des associations qui peuvent nous donner à manger. Il faut y aller. De la même manière, vous avez noté que moi, je suis très compact dans mes affirmations. Et je ne suis pas... les gens, vraiment, les vrais héros de ce film, c'est Marine et le jeune homme que vous avez vu en fauteuil. Eux, ils ont mis leur trip sur la table. Moi, je me suis contenté d'évaluer vaguement mon passé, de dire maintenant je suis à l'école et de montrer qu'on pouvait avoir à manger. Mais les vrais héros, c'est les gens qui ont mis leur trip sur la table. Je ne me rappelle pas tous les prénoms parce qu'on ne se connaissait pas les uns les autres. Et puis peut-être les vrais héros, c'est aussi les spectateurs dans la salle, je veux dire. Hein, parce qu'il faut tenir le coup. Hein. Moi, tu m'excuses, Maxime, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller ensuite à Brest. Après la première partie, où on arrive à des témoignages assez durs, assez trash, etc., qui sont intéressants parce que c'est une progression par rapport à la première partie. Je suis en train de. On repart dans du tourisme, etc. Moi, je suis pas d'accord. Mais forcément, je suis pas d'accord. Non. En fait, le. Quel est l'intérêt? Mais c'est intéressant que tu poses la question. Parce que, Je suis outré. Depuis quand l'isolement, c'est uniquement à Lorient? Dans le pays l'orienté. Le film, au niveau de la mise en scène, notamment, que ce film peut, enfin, d'autres histoires peut commencer, peut débuter et se terminer dans n'importe quelle région. D'accord. Il y a trois films. C'est un film aussi. Il y a le Grand Bihan, Finistère et le Roi, même si Roi, ça partait. C'est une autre. On peut penser que le film se passe uniquement dans le pays d'Orienté. Voilà. Marine est embriquée dans ce. Elle est avec tout le monde. Enfin, elle est dans le coupé. Voilà. On peut se dire, voilà, il n'y a aucune indication qui dit pendant tout le film qu'elle habite à Brest. Et là, on se rend compte, au fur et à mesure, ça forme un cercle. C'est à la fois un panorama sur différentes personnes situées dans différentes villes de l'Orient Agglomération.
et on se rend compte finalement que ça dépasse, et ça c'est pourquoi il ne faut pas être bête pour penser que c'est juste, que c'est uniquement l'élection d'isolement, ça se passe, c'est uniquement sur le pays de l'Orient. C'est localisé sur l'Orient, parce que c'est plus facile pour moi, comme je suis de l'Orient, pour pouvoir aller rencontrer les personnes, c'est plus facile. C'est plus simple. Mais j'ai vraiment voulu élargir quand même mon champ de bataille. Pas le champ de bataille. Mon champ de bataille. Oui. C'est pas local. Du tout. Comment ? Ça fait Coq-à-l'âne. Il n'y a plus du tout de cohérence. La géographie. En arrière, il y a des régressions. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Oui. Et c'est vraiment trop long. Il faut savoir couper à un moment donné. Respectons le réalisateur et l'isolement n'a pas de frontières. Oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir été abusé alors. Ah bah oui. Bah oui, ça fait mal à la tête de suivre aussi longtemps comme ça. Hein. Ah bah après, ça. Il n'y a plus d'intérêt là. Alors après. C'est politique, c'est joli, mais bon. Après. Je vois plus l'intérêt. Ah bah la tête. Est-ce que vous avez des personnes là complaisance. Non, mais moi, je pense que c'est intéressant d'avoir. La vie des différences, c'est un débat. Des débats. C'est pas juste dire oh ben c'est très bien, parfait, bravo. C'est intéressant d'avoir un point de vue, parce que c'est un point de vue qui est différent de ce qu'il y a des autres. Enfin, c'est différent du tien, certainement. Oui. Du bien et d'autres. Parce que c'est bien d'avoir. Aussi, mais, oui. c'est intéressant. Patrick a sans doute un avis différent, Claude aussi, il va te dire. Chacun a un avis différent. Deux personnes ensuite, Claude. Oui. J'avais une question au sujet du changement de couleur. Oui. Dans cette fin de film où tu es passé du noir et blanc à la couleur pendant un temps et on a terminé. C'est un choix qu'on peut expliquer comment. Enfin, ce choix de passer en mode couleur quand on retourne à Groix. Oui, oui. Alors oui, donc le passage de noir et blanc à la couleur. Oui. Oui. Pour le coup, forcément, on sort du milieu urbain et au sens de continent, et c'est vrai que pendant tout le film, on est dans une bulle. Le noir et blanc, ça forme là, on est dans un... C'est comme si on était à l'isolement urbain. Voilà. Donc le fait de changer l'allégorie de la Lille, il y a l'allégorie de Lille, voilà, on découvre que l'insularité, finalement, c'est qu'il y a différentes tonalités. Donc il y a un changement de couleur. D'accord. Simplement pas de couleur, parce que souvent, c'est pas la couleur, mais c'est des teintes. D'accord, merci. Je reviens sur la longueur. Oui. Pour moi aussi, c'est très très long. Oui. Est-ce que ça ne va pas compromettre la diffusion? Ça a déjà compromis la diffusion. Oui, c'est un obstacle. Parce que c'est un film qui est quand même important. Oui. Qui est effectivement aider les gens à se libérer. Oui. Mais est-ce que vous n'allez pas compromettre un film? C'est sûr, le film est. Mais c'est un. Aussi, hein. C'est un choix. Parce qu'il y a des films comme pour les jeunes, ça peut. Pour les jeunes, tout le monde. Tu vois, ma fille, j'aimerais bien qu'elle le voit parce que ça lui apprendrait plein de choses. Je trouve que c'est super intéressant pour les jeunes. Mais c'est trop long. Ah bah oui, oui. C'est comment? Pour les vieux aussi, c'est vrai, c'est le défi. Tu choisis un thème, mais je veux dire, tu le développes correctement. Oui. S'il y a des coq-à-l'âne, je vois plus l'intérêt. Je veux dire, c'est juste pour faire chier les spectateurs. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que. Alors. Non, je crois pas. Attention quand même aux rumeurs. C'est quand même. C'est, après, cela dit, le spectateur, ils ont quand même. C'est vrai que c'est compliqué, parce que moi je respecte le spectateur. Mais aujourd'hui, les gens ils sont submergés d'images, et c'est un fait, Donc quand on voit, je parlais de TikTok très récemment dans une émission,
ou de vidéos courtes sur YouTube, et voilà, les gens, pour un film de 2 heures, c'est juste de ton documentaire. Oui, mais sans règle générale. Sans règle générale. Je pense que là, c'est un film sociologique, et c'est... Si on revient des années bien avant, il y a eu Shoah de Claude Grossman. Alors, j'ai pas dit que j'étais Claude Grossman, ou même Frédéric Weissman. C'est leur documentaire, c'est des films très longs. C'est réservé à un public vraiment averti et exigeant. C'est presque élitiste. Alors, mon film ne s'adresse pas à un public, forcément à un grand public. Mais il y a possibilité, après, de le voir en 4 fois, comme les disques, ils ont été conçus. J'ai coupé en fonction de... J'ai coupé en fonction. Tu voulais peut-être pas léser tout le monde non plus. Sans concession. Et voilà, c'est vraiment sans concession. Donc, alors que ça part dans tous les sens, hein, il y a quand même une narration qui fait que... Et aussi de géographie dans le film, pas différentes géographies, mais ça reste en Bretagne. Brest, c'est pas le tiers-monde, c'est pas Paris. Je suis resté dans. Même t'as des plans à Paris à la fin. Ça n'apporte rien, c'est ce que. Ah, vrai, ça, non, c'est ça, que dis. La démonstration, je veux dire. Sauf que là, il n'y a pas le resto du cœur. Non, il n'y a pas le resto. Non, il y a quand même des données. On ne voit pas l'intérieur. J'ai pas filmé. Solidarité dans l'Orient, par exemple. On voit les bénévoles, on ne voit pas ceux qui en bénéficient. C'est-à-dire que là, j'ai eu accès avec Entraide et Amitié à l'intérieur. Voilà. Ce que je n'ai pas fait avec. Mais j'ai pas forcément eu accès. Après, je n'ai pas. Voilà, tu aurais pu avoir la même chose. Sauf que là, moi, j'allais partir à Brest. Vous voulez faire une partie à Brest. Voilà. Pour élargir, surtout, il y a des plans à Quimper. Voilà. Donc j'ai voulu élargir au pays orienté. Voilà. Comme on retombait ensuite sur Marine qui finalement découvre qu'elle habite à Brest, qu'elle est. Et par rapport à ça, elle est agoraphobe. Voilà. Donc se perdre dans une grande ville comme Brest. Pour moi, c'est intéressant, même si c'est vrai qu'il y avait un lien en fait, avec la phobie. On retourne. Ça fait appel aussi à la mémoire, même si c'est exigeant. Quand on suit le film et on se rappelle de l'histoire de Marine, on sait qu'elle souffre de la phobie sociale, de l'agoraphobie. Pour moi, il y a un lien, c'est pas limité sur le pays orientais. Après, c'est vrai que ça demande une certaine endurance. Le film va loin, mais pas uniquement dans le thème de l'isolement. C'est aussi un film qui fait un cercle. Vertueux. On parlait de confiance tout à l'heure et de la confiance dans les témoignages. Je pensais à Florence, là. Je ne parlerai pas de héros. Patrick a parlé. Non. Il y avait 2 personnes. Je ne dis pas que c'est des... Je ne parlerai pas de héros. Pour mettre ses trucs sur la table, faut le faire. Je ne parlerai pas de héros. Mais je pense à la personne, par contre, la personne Florence, là, c'est intéressant. On parlait de confiance, parce qu'en fait, elle témoigne, et ce qu'elle témoigne, c'est vachement intime. Et tu la connaissais, cette personne? Je finis maintenant, tu répondras après. Oui. Tu la connaissais parce qu'elle témoigne et elle divulgue des choses qui sont vachement intimes. Et pour avoir son témoignage, elle a dû vraiment te faire confiance parce que vraiment des trucs forts qu'elle a dévoilés. Oui. Et après, pour qu'elle le livre en public, qu'elle le livre comme ça, c'est vraiment, tu as dû... avoir un degré, pour essayer de la convaincre de se livrer comme ça, c'est parce que ce qu'elle témoigne, c'est vachement fort. Hein. Ça m'a choqué. Oui, ce qu'elle disait, c'est vrai que c'est... J'aurais voulu savoir comment tu t'étais pris pour recueillir ce témoignage-là.
Déjà, il y a eu un échange, plusieurs échanges avant de tourner l'entretien. Donc, il y avait un besoin de sa part aussi. Un côté curatif de la part de certains d'entre eux. Et voilà, donc c'est juste là. Ça rencontre parfois, on peut pas passer, c'est compliqué d'expliquer comment ça fonctionne entre deux personnes. Mais. Et peut-être j'ai cité ce que j'ai fait auparavant dans mes films. Mes films bah, peut-être que c'est arrivé au bon moment. Votre rencontre aussi, peut-être deux ans plus tôt, elle n'aurait pas pu. Oui, voilà, c'est ça. C'est la rencontre entre le cheminement. Oui, elle avait besoin à ce moment-là. Ouais. Elle parlait. En plus de la confiance, bien sûr, après là. Voilà, c'est arrivé au bon moment. Tu as des nouvelles des personnes Oui, c'est Patrick, c'est une nouvelle de lui. Juste pour faire rire, j'ai eu le bac, mais je ne peux pas faire la formation. Oh. Je peux poser une question? Il y a un moment, tu cadres, est-ce que ça a une signification? Tu cadres à hauteur d'enfant, voire même, on a l'impression que tu as posé ta caméra dans la rue. C'est pour se mettre au niveau des gens ou pourquoi ça? Si on voit au niveau des portières, on voit bien que tu filmes très bas, quoi. Il y a quelque chose. Et c'est des plans au ras du sol. Les ras du sol, c'est au ras du sol. D'accord, c'est une habitude. Non, c'est juste que, je pense que comme le film, c'est à la fois, donc le film, c'est important de situer au niveau de la mise en scène, par rapport à la... Le rapport peut-être à la terre. Il y a la mer, il y a la terre et le ciel. Il y a une cohérence par rapport à ça. Après, ça peut, on peut dire qu'on peut partir dans tous les sens. Non, c'est une sorte de cohérence. Ça crée de proximité. Moi, j'ai l'impression qu'on est entre complaisance, poésie et coca-lane. Il y a un côté planant, c'est moi j'aime bien. Après ça plaît ou ça plaît pas, mais il y a des personnes qui accrochent à par exemple l'habitation, les moments où avec la voix off, et d'autres qui accrochent pas. Ça dépend vraiment de, c'est vraiment au niveau du ressenti, c'est vraiment au niveau du ressenti de chacun. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que Richard, à la fin, on le voit sur une note positive, on le voit dans un fauteuil roulant, on le voit aller dans le jardin, et on voit que sur son visage, on voit qu'il a changé. Déjà, peut-être le fait aussi d'avoir un logement adapté, ça l'a changé, mais on voit, c'est bien, parce qu'on l'a vu plutôt un peu... Et à la fin, on voit sur son visage que ça... Et même quand on le voit dans le bus, là, dans le machin, on dirait qu'il a retrouvé un joie de vivre, un machin, ça se voit. Joie de vivre, donc il y a toujours un côté mélancolique. Et là, les gens sont en couleur, un autre appareil pour pouvoir pour capter différemment que les images en noir et blanc. Et il y a une personne en fauteuil. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu un sentiment de résilience dans les images de Richard vers la fin, où il a évoqué le jardin, on le voit arriver dans un jardin adapté. Il a parlé de rencontres amoureuses, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un rendez-vous par hasard qui se fait au bord de l'eau. Il y a plutôt des notes en regardant devant, c'est ça. Tout en étant réaliste. Il n'y a pas de... Une question. Je vais redevenir un peu plus technique, terre à terre. C'est dommage parce qu'on était sorti un peu de la thématique de la durée du film. On était plus en train de parler du contenu, là. Et justement, moi, en fait, ce que je voulais savoir, c'est si c'est 6h37 de film, tu avais posé ça d'entrée de jeu, si tu t'es levé un matin, tu t'es dit je vais faire un film de 6h37. Je voulais savoir aussi combien d'heures de rush tu dois avoir pour faire ça.
Et justement, est-ce que tu te dis pas que 6h37, ça risque pas, mais là on a eu la preuve que non finalement, est-ce que tu te dis pas que 6h37, quand on va parler un peu de ton film, t'as pas peur qu'on parle plus de sa durée que de son contenu ? Alors, donc la première question c'était... Est-ce que tu t'es levé un matin en te disant ça va durer 6h37 ? Je me suis levé un matin en disant je vais embêter les gens. je ne pourrais pas le projeter. Sérieusement, je ne suis pas levé le matin ni le soir. C'est juste que au début j'étais parti pour quelque chose de plus court. J'avais juste ce projet avec par rapport au café rencontre, le fait de partir à Groix pour un séjour de 2 jours. Et je proposais de faire un petit reportage, de parler de l'isolement insulaire. Est-ce que les Brésiliens sont isolés ou pas ? Enfin, les Brésiliens, ceux qui vivent à Groix. Pour une durée indéterminée ou déterminée. Et finalement, même si je m'étais dit, j'ai quand même dit que j'allais aussi continuer en ville. C'était pas 6h30. Mais c'était pas 6h35. c'était juste un peu. Et c'est au fur et à mesure que c'est devenu quelque chose d'aussi grand. Au fil des rencontres. Ouais, l'isolement s'est imposé tout de suite ou comment tu as trouvé cette thématique-là en fait ? L'isolement ? Ouais. Ah ben ça c'était. C'est le fait de partir à Groix. Mais je crois qu'on l'avait évoqué avec le photographe Jean-François. Il y a quelque chose par rapport à ça. L'idée, c'était l'isolement. L'isolement insulaire et l'isolement urbain et l'isolement insulaire. Je voulais faire un parallèle entre l'isolement géographique d'une île. Ils ont en ville. En ville, voilà. Ça, c'était le projet à la base. Ok, mais c'était un projet collégial, ça venait d'un groupe. Moi j'ai proposé de faire un film, comme j'avais des compétences, on va dire. C'était un reportage sur le sujet. À la base, c'était beaucoup plus court. C'était un petit sujet, c'est un sujet sur qui avait duré peut-être pas une heure, peut-être pas combien de temps. Et finalement, ça s'est élargi au fur et à mesure. C'est quand j'ai présenté le projet ensuite, donc en septembre 2018 à des associations nord-orientaises, j'ai parlé toujours le même pitch, le parallèle entre l'isolement géographique de l'île et l'isolement sur le grand ville, voilà, plus social. Et au fil des rencontres, c'est vraiment au fil des rencontres, je crois que ça devait être vers fin 2018. Ça s'est vraiment déclenché parce que j'ai eu d'autres pistes de réflexion. Cette rencontre a peut amener soit une autre rencontre ou soit une autre, comme je le dis, un autre type d'isolement, donc notamment le doute. Ça devait être en janvier 2019. Parce que je pense que pour moi, je ne pouvais pas m'arrêter à l'isolement social. Ça c'est la précarité. Combien d'heures de rush ? Ah, vous avez vu le film, 137. on peut savoir. J'ai pas eu beaucoup d'heures de rush. Je ne pourrais pas dire exactement. Mais j'ai vu quand même, ça dépasse 10 heures forcément, enfin oui, peut-être entre 10 et 20, 15 heures, peut-être, 15 heures, peut-être entre 15 et 20. Et donc du coup pas beaucoup, pas les entretiens, vous savez, j'ai bien préparé chaque entretien.
pour revenir à l'histoire de la longueur et à sa diffusion, en tout cas sa transmission plus large, peut-être que ça va être complètement incongru, mais dans cette époque des séries, oui. Qui correspond aussi à un mode de fonctionnement, est-ce que tu penses qu'il est découpable en 6 épisodes d'une heure, par exemple ? Mais au moins découpable. Ça, j'ai déjà pensé, mais le problème, c'est que je vois pas beaucoup de séries. Donc, c'est vrai que toutes les séries où on s'arrête, il y a Jérôme de fin, après on reprend. je l'ai conçu comme une expérience. Mm-hmm. Donc, une expérience, c'est pas en reprenant n'importe comment. Non. C'est ça, c'est que l'immersion, l'attention que je demande gentiment, humblement, au public, c'est pas la même attention que je demande aux amateurs de série. Mm-hmm. Mais tu penses que c'est incompatible de conserver le format de ces deux jours et de le proposer sur un autre format pour un public qui ne viendra pas à... Oui, alors non, en fait, j'ai réfléchi. Alors, je pense que là, comme il y a une diffusion à la Belize, et merci en tout cas d'avoir proposé et d'avoir pu respecter le format le film en deux parties, comme il a été conçu. Même s'il y avait eu moi, j'aurais fait... Après partie, une nuit du ciné. Une nuit magique. Et bon, c'est vrai que le film, il pourrait être comme a été fait, comme les DVD ont été conçus. Le film en quatre parties. Ça, c'est possible. Mm-hmm. C'est possible parce que ça peut emmener à chaque fois, vous savez que pendant l'entracte, il y a une petite discussion, il y a des réactions. Oui. Je pense que c'est possible. Après, pas forcément dans un film, une partie par mois, ça serait un peu incongru, parce que là, ce serait. Il parlerait, mais c'est qui celui-là déjà ça. Pour revenir à la genèse du projet. Lorsque je rencontre Maxime il y a quelques mois de cela, suite à un échange avec Claude, ici présent. Donc je rencontre Maxime et vient évidemment la question de la durée. Bon. En lui disant de manière assez claire, bon, Maxime, soit on part sur un truc qui peut faire 1h30, 2h, et ça peut être rassembleur, et on peut avoir 60, 70 personnes, ou alors on respecte ton souhait. Bon, j'ai bien vu sur quel chemin tu m'emmenais. Oui. Donc, dès lors, nous, à la Maison pour tous, on est très respectueux de la production et des uns des autres et des savoir-faire vivre et être des habitants. Et donc, l'idée, c'était de respecter ton choix, Maxime, tout en évoquant que, bon, Maxime, il y aura peut-être 10, 15 personnes et ça ne va pas être rassembleur. Donc après, c'était de trouver quel moment va être le plus judicieux pour essayer de rassembler le plus. Bon, période de vacances, bon, pourquoi pas. Donc après, nous sommes sur des réalités de boulot aussi, on bosse toute la semaine, et donc deux soirées, ça pouvait être un petit peu compliqué de par la présence des uns et des autres, des collègues, mais de se dire, bon, un vendredi après-midi, et un samedi après-midi, bon, long week-end, on s'était trouvé la bonne formule. On a essayé, mais en tout cas, pour nous, c'était un challenge. À travers aussi les échanges que j'ai pu avoir avec pas mal d'habitants et d'adhérents de la Maison pour tous, qui disaient, mais ça donne envie, quoi. Et y avait ce frein qui se vérifie aujourd'hui, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a du sens dans la construction, il y a un énorme boulot, qu'après, c'est trouver la bonne formule, parce que je suis persuadé que ce film peut être... Ce documentaire peut être très très rassembleur. Maintenant, après, on respecte ton choix. Et du coup, pour nous, c'était un challenge. Au départ, on a souri un petit peu. On s'est dit, bon, ok, allez, on y va, banco. Et on va voir. En tout cas, je pense qu'il peut être même d'utilité publique. Par rapport aux jeunes, tout ça, les comptables, là, tu parles, tout ça. Enfin, à un moment donné, moi, ça me fait penser à ma fille. Donc, moi, j'aimerais bien qu'elle le voie. Mais c'est vrai que peut-être faire un truc plus
Il y aura pas de version courte, mais par contre, c'est vrai que le... Merci beaucoup Antoine. Merci, merci pour ça. Pas de problème, sans merci en tout cas. Au revoir. Alors, moi je pense, en tout cas, c'est important de pouvoir y aller, de participer, et en tout cas qu'il y ait une projection dans le respect du comment le film a été fait. Maintenant, comme il y a eu une projection déjà, effectivement, le film peut servir d'outil. Pour, donc en ayant un format, enfin, en ayant les découpages des DVD. Donc, le film est en quatre parties. Il a été découpé. Ça, c'était sur le plan technique que c'était nécessaire, ce découpage-là. Alors là, c'est le plan éditorial. Ce de base, il était en deux parties. Mais c'est vrai que c'est compliqué là, de rassembler. C'est plus un film pour les. C'est bien d'avoir un écran plus grand qu'une télé. Pour les versions et pour apprécier les images. Après c'est vrai que quand on le voit chez soi, c'est pas pareil, c'est pas la même expérience. Déjà, on remercie l'Action culturelle de proximité, parce que disposer d'un lieu comme ça, et puis d'avoir le soutien technique, parce que chacun ses spécificités. Donc le fait qu'il n'y ait pas de bug, même s'il y a un petit léger, donc c'est toujours précieux d'avoir de solides partenaires qui nous font confiance. Et puis plaisir de mettre ça en cet énorme travail en valeur. Merci à vous, merci à Claude d'avoir fait remonter cette proposition. Donc on a essayé de faire une fois de plus ce qu'on dit. C'est chouette. Alors je voudrais remercier des personnes comme c'est pour l'instant, il y a des protections. Donc, je remercie les gens les quelques spectateurs qui sont venus. Merci aussi. Merci à la maison pour tous. Ouais, merci. Merci les participants aussi du documentaire, forcément. On n'aura que le côté touristique. Des personnes qui nous ont quittés, beaucoup dans le film, Marie, qui était une amie, le film est dédié. Il y a François aussi, le photographe, qu'on voit dans plusieurs reprises, qui est aussi sur l'affiche. Et également, les personnes qui ont soutenu le film et qui soutiennent toujours. Il y a des personnes sur YouTube. Il y a bon parleur du cinéma, il y a Samir Arzou et David Fonseca de Microcidé, pour l'épisode de Microcidé, et des amis aussi, des amis connaissances qui relaient sur Facebook les publications concernant le film. Et aussi des personnes qui ont participé pour les images qu'on voit à la dernière partie, qui ont été filmées pendant le confinement. En 2020. Notamment la personne qui tient la caméra actuellement. Merci Julien. En tout cas, la maison pour tous de Karim Yannick te remercie encore une fois et sera très attentif par rapport à tes productions futures et par rapport à ce que tu proposes parce que ça. Ça fait sens. Donc, on peut causer de la durée 10 000 ans. Ou 6h30. Oh, c'est trop long. On se doit de respecter l'œuvre et du coup, bravo encore pour le taf. Et puis, je pense qu'on peut faire une belle suite pour ce documentaire. Merci.
Merci. Merci.